Salut YouTube, comment tu vas écoute, maintenant que tu me l'as, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va tester Alicia, voir un petit peu comment elle peut se débrouiller dans la méta actuelle en défense. Je vais taper un maximum de, de, de défense pour que vous puissiez un petit peu regarder les dégâts que ça peut faire. Et ça, sans buff attack. Alors ma compo, ça va être celle-ci. Oui, je sais, il y Neftis, mais c'est un peu pour le, le setup, pour pouvoir un petit peu vous montrer les dégâts que ça peut faire actuellement. Alors, elle n'a pas été buff au niveau des dégâts, elle a été buff au niveau de la chance de euh, Freeze sur le skill 3, ce qui donne quand même un très très bon euh, bah Freeze pour le, pour le coup, ça, ça devient un bon contrôle, un bon monstre contrôle, et en plus, si elle Freeze, elle peut gagner le sort 2 derrière for free, gratos. Alors qu'avant, tu pouvais pas trop te dire, avec Alicia, je vais d'office skill 3, skill 2. Maintenant c'est beaucoup plus le cas, d'ailleurs c'est pour ça que je lui ai mis un petit peu de précision, mine de rien. Artefact, j'ai mis du mauvais état, parce que du coup elle va taper de plus en plus fort euh, sur le skill 3, et en plus du coup le skill 2 va taper sur des monstres qui sont normalement en mauvais état, vu qu'on a fait un petit skill 3. Et à côté, bah, cette compo là, vous pouvez changer, hein. ici j'ai mis un break def et un euh, reset cd, mais euh, ici ça peut être juste un lead speed et un, un galion par exemple, tout simplement. Ou même parfois il n'y a pas spécialement besoin de lead speed pour beaucoup de compos et moi dans mon cas euh, c'est pour tester aussi euh, pour moi même parce que je suis en train un petit peu euh, c'est quelques petites offenses etc c'est pour ça que je suis en train de monter cette, ce monstre là on a vu ce sera l'une de mes prochaines vidéos à mon avis euh, et en fait le but final de mon côté ce serait de pouvoir faire quelque chose un peu comme ça en me disant bah du coup j'ai les dégâts euh, je peux y aller et donc là pour l'instant vu que c'est bah, plus que c'est pas ruiné tout ça je préfère tester avec Ganymede et attaquer potentiellement deux trois trucs qui sont un petit peu plus lents pour au moins me dire en termes de dégâts, est-ce que ça peut one-shot des compos, ou en tout cas pas loin de ça. Parce que le problème, ça va forcément être les camis hein, potentiellement. Euh, hop, on va faire ça comme ça. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on a... On peut même taper le, le Minato, mine de rien, en se disant peut-être qu'on va le freeze avec Alicia. Au pire, on le tue, voilà. Et dans tous les cas, si on tue, on a le skill de gratos, donc ça c'est sûr. Mais, euh, mais maintenant qu'on a le freeze euh, ça aide pas mal ça sera un petit peu trop rapide mais ça quand j'aurai Kabila euh, la version Kabila ça, ça devrait pas être un problème ça normalement je devrais pouvoir taper parce qu'on a euh, Neftis qui devrait cut le Hamdiot parce que j'ai Neftis assez rapide mine de rien voilà comme ça il sera sous silence Glancing il est pas censé faire grand chose euh, il a quand même réussi à faire ça mais c'est pas très très grave hop voilà, pour qu'on voit un petit peu les dégâts par exemple sur le Kinky, sans buff attaque. On a mis quand même un 31 000 hein, sur le Kinky, sans buff attaque. Ça, forcément, ça prend un petit peu de temps. Faut juste attendre qu'il joue, parce que dans tous les cas, il y a l'anti-heal. Voilà. Il y a plein de choses à faire hein, de, de différents avec cette compo. C'est vraiment pour tester euh, le maximum de dégâts que je puisse faire. Sachant qu'évidemment, on peut la mettre en lead, hein, ce qui est plutôt avantageux avec euh, Alicia. Si on veut justement mettre un Pong ou autre avec un Galion, je sais pas quoi. Euh, tu sais quoi, je vais taper ça. Un petit peu regarder les dégâts. On va essayer de monter un petit peu dans l'arène et taper de plus en plus dur. Hop, on a le break def. On reset un truc un peu chiant. C'est quoi ça Et normalement, déjà, on peut voir les dégâts sur un truc très tanky, un peu plus lent. Euh, on a du 21 000 ici, du 16 000 ici, sachant qu'on a là euh, Tiana qui va suivre. Vous euh, pourriez faire ça avec, euh, avec le shang hein, ce qui fait que ça va aussi réduquer TB comme le Ganymede en faisant un peu plus de dégâts que gagner mine de rien. Hop, on va un petit peu monter. Ce qui va taper un Bernard. Voilà, là, là, ça peut être déjà un bon essai. Pour voir un petit peu, euh, en termes de dégâts, ce qu'on pourrait mettre à ce genre de compo. Même si je pense pas que j'attaquerai ça avec ça. Parce que moi, le but, c'est un petit peu voir les dégâts... Euh... En vrai, pouvoir un petit peu contre la Camille, ça peut être une bonne chose. Bon, déjà, on a crit alors qu'on a 15% de crit, Donc, ça c'est un peu chiant pour les Camilles. C'est un peu euh, l'un de mes problèmes en ce moment avec Camille. Vu qu'on a 100%, c'est pas très grave qu'elle ait pris un hein, buff. Et là, mine de rien, avec les deux skills 2 des deux euh, reines polaires, ça fait des très bons dégâts. Hein. Ça fait des très 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 bons dégâts. Et il n'y a plus que la Camille à gérer, euh, sachant que petit à petit, ça devrait se faire. Vu que j'ai pas mal de monstres qui n'ont pas trop trop, trop de d'autocrites. Évidemment, ils sont vents, donc euh, ça crit un petit peu. La Alicia, par contre, est à 100%. Eux, ils sont à 15%. Hop, on peut faire un petit skill 1. Voilà. Et là, du coup, on peut taper sur break def. On n'a malheureusement pas le freeze. Parce que là, un freeze ça aurait fait skill 2 derrière. Et on l'aurait déjà tué là-dessus. Là, ok. Bon, ça passe quand même. Bon, j'avoue que contre les camis, c'est un peu plus lent. Mais euh, il faut vraiment se dire que si on arrive à tuer très rapidement une compo, c'est pas si grave que ça de passer un tout petit peu de temps euh, sur la camis derrière. Euh, ça, ça je vais pas trop pouvoir tester. Ça, le skill 2 va faire vraiment trop peu de dégâts avec euh, Léo. Ça, on peut peut-être tester. Ok. Alors, on fait ceci, on met les anti les break def. On va quand même reset ça, comme ça, c'est déjà fait. Et là, sur euh, le vigor, ouais, 32 000. Hein. En fait, dès que c'est un petit peu rapide, avec trop peu de défense, genre vers les 1000, 1100, je pense. On met du 30-31 000, ce qui est vraiment, vraiment bien. Et c'est ça, ça, ça c'est sans buff attaque. Hein. C'est vraiment sans buff attaque. Et ça permet vraiment d'avoir un monstre qui. qui skill 3, skill 2 de manière assez. Euh, assez efficace, quoi. Alors qu'avant, bah, tu faisais un skill 3, t'étais pas sûr de ton skill 2 derrière, s'il y avait pas un truc super squishy en face, qui te permette pas justement de, de directement enchaîner sur ce sort 2. J'aime vraiment bien le, le monstre actuellement. Alors, on va essayer de voir si on n'a pas des, des, des défenses un peu plus difficiles. Euh, bon, en soit ça on pourrait taper. Les deux, les deux prochaines, on va les taper. J'aimerais bien taper le, le Byungshul aussi. Voir un petit peu le skill 2 sur un Byungshul. Peut-être un peu tanky, pas si rapide que ça. Le genre de dégâts qu'on peut faire sur deux tours. Attends, c'est de ça au cas où euh, elle est parée du KTB et qu'elle proc. Voilà. Ouais, ce genre de compo, on a largement les dégâts sans buff attaque. C'est vraiment pas un problème. En fait, la seule condition on a, dont on a besoin, c'est vraiment haut speed. Sachant que le Ganymede, le... bah, dans mon cas, forcément avec Neftis, je peux le remplacer par autre chose. Euh, ça reste quand même d'être compliqué. C'est pas le genre de compo que j'irais taper avec ça, mais au moins ça peut, devenir... ça peut donner un bon indice de... en termes de dégâts par rapport à la compo. Vas-y, on strip, on met les break def en espérant que ça passe pas trop mal. Ça passe pas trop mal en effet. On va peut-être riser de ça. Hop. Et là, on essaie d'envoyer la sauce. On a les frises. Boom. Ah, on a. On a des bons dégâts. Hein. Pour le coup, on a vraiment des bons dégâts. Et là, pour le coup, là, j'avoue que je teste un petit peu avec des monstres qui sont ruinés. Du coup, j'ai un peu fait ça à, à l'arrache. Mais, euh, mais en soi, Ganymede peut redonner le skill 3, skill 2 à, à Alicia, là, dans cette compo-là. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais ce genre de compo, en fait, vous pouvez vraiment tout simplement mettre un galion et avoir un buff attaque et. Avoir encore plus de dégâts. Je mets les dégâts sur la genou parce que c'est parfois le monstre un peu plus chiant à tuer pour moi. Mais là, normalement, avec Alicia, ça devrait pas trop être un souci. Et là, en revenge, il proc met les sous glancing, c'est pas trop, trop grave. Là On est bien. Hein? Ah, pour l'instant, il n'y a pas trop, trop de, de grosses difficultés. OK. Sachant que j'ai un petit peu utilisé l'offense tout à l'heure. Euh, en interserver, et d'ailleurs je, je ferai la vidéo demain en, en ayant testé beaucoup d'autres euh, offenses, enfin une, une autre défense en particulier que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Tu vois, typiquement ici, dans ce genre de cas, avant on pouvait se dire, bon en vrai, on n'a probablement pas le skill 3, skill 2, alors que maintenant, bah, là on en a freeze 2 sur 4, et c'est beaucoup plus simple d'avoir ce sort 2 directement et pas avoir besoin de va bah, se faire cut par le abelio, il y a un heal, etc. Parce que là forcément Genefties avec l'anti-heal, donc il l'aurait pas pu. Tu sais quoi, je vais faire un petit refil juste pour vos beaux yeux, hop, et on va en taper 2-3 autres. Parce que là on est en train de pas mal monter aussi dans, dans l'arène, et donc les défenses sont censées être de plus en plus difficiles. Hop, on va reset à mon avis quand même la Triana. Parce que je pense que justement Abelio on peut l'avoir en, en un skill 3, skill 2, peut-être. Ah peut-être pas non plus. Ouais, donc là on va, on va un peu perdre de temps sur ce Abelio. Peut-être que j'avais pas vraiment besoin de le faire. J'aurais peut-être pu juste le reset lui. C'était peut-être quand même plus judicieux au final. Après il prend quand même cher. Hein. Ok. On va voir si on n'a pas un petit refresh. Comme ça on peut taper un truc un peu plus difficile. Ça sera un poil trop rapide. Ok tapons ceci. Hop. On tape ceci, au cas où elle est un peu trop tanky, ou elle résiste, la KTB etc. Bon, ça on fait un petit peu de dégâts avant que elle fasse ça. Et là on a, on a le skill 2 de Tiana et, et c'est tranquille. Hein. C'est vraiment tranquille. Sachant que la, la, la genou est, avait l'air vachement tanky. Après on, a, on avait un, un petit lead tout ça. Lead 33, Zen, c'est encore un poil trop rapide, mais. Euh... Avec la compo Kabila, ça devrait pas trop être un souci. Au pire, je testerai également cette compo-là. Il faudra juste que je teste la... de ruiner la Kabila plus tard. Hop. Je peux même tester vite fait en vrai avec Shangpong en soi. Hein, pour montrer un petit peu contre des compos plus tanky. Est-ce que je peux faire ça contre ça après, ce sera probablement une... Hop, je vais de faire ça comme ça. Je pense que je devrais, je devrais avoir un petit galion de runé. Je vais juste lui mettre une petite rune. Voilà. Euh, ouais, c'est pas trop rapide non plus, ça devrait aller. Tant qu'il joue derrière ça, on est bon. Alors, le pong. Voilà, comme ça on a une petite compo euh, avec beaucoup plus de dégâts et sans Neftis. Évidemment, le shampoing, encore une fois, peut être remplacé. Ok, ça ne speed pas. Là en plus ce qui est bien, c'est que on aura, on va garder les briques DEF. Ouais, là on a des bons dégâts. Surtout que comme elle a 100% crit, c'est pas très très grave s'il y a un buff de ce côté-là. Et on a largement les dégâts pour tomber ce genre de compo. Ah, ça c'est pas mal ça. Hein. On peut tester ici aussi parce que. à ah, quoi qu'on va peut-être se faire cut vu qu'on a on a pas la Neftis ici. Et on n'a pas le champong directement qui joue. Ça va être intercalé par ce galion. Et ouais. Ah par contre on se fait pas stun là, Alicia, donc ça c'est pas trop mal. On va quand même normalement pouvoir faire skill 3, skill 2 ici. Et rien que là-dessus. Même si on n'a plus le buff attaque parce qu'on s'est fait strip par le Hamdiat. On fait quand même des gros gros dégâts et on peut être... Terminer la camille le plus vite possible. Ah, j'aime bien. Hein. J'aime bien Alicia maintenant. Parce qu'encore une fois, euh, il fallait tuer ici. Hein, pour récupérer ce, ce sort 3, sort 2. C'est quoi Une petite dernière pour la route. Je vous en fais une petite dernière pour la route. Et à mon avis, euh, bah, je pense que vous aurez un petit peu compris. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. J'ai hâte de faire un, un petit rush même. Un petit rush Avec ma Alicia et... Euh, si ça vous intéresse, je peux faire une compo avec ma, ma, ma Kabila. C'est un peu exclusif à Neftis pour le coup, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça n'aurait pas été super intéressant non plus d'en de, faire une exclusive à ça. Parce que pour mettre la Kabila, il faut Neftis Tiana, je pense. Il doit y avoir moyen de faire autre chose, hein, probablement. Peut-être avec un Chiwu, un Chiwu Galion. Ouais, un Chiwu Galion euh, avec euh, Kabila. Et Alicia derrière, vous aurez un buff attaque en plus. Vous aurez juste un break death un poil moins euh, fiable. Parce que c'est Galion donc c'est 85%. Là où Neftis c'est bah 100%. Petite dernière là pour la route. Allez, vu qu'on est un peu monté, on est top 2000. C'est un peu trop rapide avec Galion. Vas-y, une petite dernière ici. Il n'y a pas grand chose qui est censé mode speed. Donc euh, encore une fois, c'est voir si on peut tuer cette camille le plus vite possible. Le break def. On le perd avec Shangpong ici, malheureusement. Mais, euh, mais on fait des gros dégâts. Et derrière, on peut skill 3, skill 2. Et ça, pareil, ça fait des gros dégâts. avec euh, Encore une fois, le skill 2 de Tiana derrière qui, re qui revient. Ah, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Hein. J'aime beaucoup les dégâts. Je vais vous montrer vite fait les runes du reste. Euh, à part la Alicia. Euh, check. Donc, la Alicia était comme ceci avec dégâts euh, mauvais état. La tiana est comme ceci en wheel avec euh, mauvais état également bon état mauvais état. Là j'ai le Galion en Swift wheel avec euh, précision skill 3 pour être bien capé précision et le Shangpong comme ceci en Tocrit euh, Dégacrit, avec des multi de l'attaque parce que bah, il a un buff attaque avec ce Galion et donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec euh, la Alicia que je pense que je vais vraiment euh, beaucoup jouer au rush Hour euh, de ce dimanche en espérant que j'ai le temps, parce que je vais rentrer euh, de Paris pour la Swell, donc la semaine soir European League. N'hésitez pas à venir sur le stream de chez vous à 20h euh, demain, donc vendredi, donc ce sera aujourd'hui pour vous en fait, et samedi à 14h pour la finale, euh, voilà la, les finales des playoffs. Euh, N'hésitez pas à venir, ce sera sur la chaîne de chez vous, 20h, 14h le samedi, euh, et ça va être cool. Je vous retrouve dans d'autres vidéos, à une prochaine, tous